en question. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Reprise de l'audience. The court is back in session. La chambre donne à présent la parole à la défense de Quesampan afin qu'elle puisse poursuivre son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, Madame Nosatas. Nous allons terminer cette partie de votre interrogatoire. Et vous avez évoqué à Tri la présence du chef du district Ho, qui a priori serait un alias révolutionnaire. Est-ce que vous avez son vrai nom? Est-ce que vous connaissez son vrai nom? Non, je connais son vrai nom. I don't know his real name. Je le connais seulement sous son alias Ho. Ho, his nickname. Et si je me souviens bien de votre déposition, c'est quelqu'un d'autre qui vous a donné son nom. C'était un des soldats qui l'accompagnait ou c'était un des soldats qui vous a amené jusqu'à Tri qui vous a dit son nom? Who told you his name? Il m'a dit que celui-là s'appelait Ho. That this person was called Ho. Et en fait, c'était son adjoint et le membre du comité du district qui m'a dit qu'il s'appelait Ho. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cet adjoint qui vous a dit son nom? This district committee member, this deputy who told you his name? Jam. Oui. Yes. Il s'appelait His name Pine. Was Pine. Le premier membre The s'appelait Chim. First member was called Chim. Et est-ce qu'il est toujours vivant, ce Ho? Now regarding this Ho. Non, j'en ai aucune idée et no, je ne sais no même pas où il habite. And on I s'est don't séparés know where depuis he ce moment-là. Lives. Since then, I never saw him again. Peut-être il est allé Maybe s'établir ailleurs. He settled elsewhere. Je vous pose cette question, I'm madame, parce que dans votre déclaration aux enquêteurs des juges d'instruction, E3-5193, ERN en français 00224113, ERN en anglais 00274704. ERN en Khmer 00204445. Vous donnez des précisions quant à l'entretien que vous avez accordé à M. Osman et voilà ce que vous dites au sujet des personnes qui travaillent avec Ho et de Ho lui-même. Vous dites Tan, messagère de Ho, Ho's messenger, vit actuellement dans le village numéro 4, commune de Sveikleng. Chet, un autre messager de Ho, était exécuté en même temps que Ho par les villageois en 1979. Et vous précisez, je ne connaissais pas Ho auparavant. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que ce Ho
chef de district que vous avez évoqué comme étant celui qui vous a interrogé lors de votre détention à Trie, est-ce qu'il a bien été exécuté par les villageois en 1979? Qu'il a été tué par les villageois ou non, j'en ai aucune idée. Je me suis réfugié dans la forêt jusqu'à la fin du régime Khmer Rouge. Je n'étais pas au courant de son exécution après la chute du régime Khmer Rouge. After the Khmer Rouge regime fell. Alors ma question logique est pourquoi est-ce que vous avez dit cela dans ces conditions aux enquêteurs des couches d'instruction? Pourquoi est-ce que vous avez donné cette précision? Parce que là, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez rajouté à votre entretien, à ce que vous avez dit à Issa Ousmane. Et là, c'est quand vous êtes interrogé par les enquêteurs des couches d'instruction que vous donnez ces informations. J'ai peut-être parlé trop vite, donc je repose ma question. Pourquoi avoir donné ces informations devant les enquêteurs des couches d'instruction si vous ne savez pas, alors que c'est des choses que vous avez rajoutées par rapport à ce que vous aviez déjà dit à Issa Ousmane? Pourquoi avoir dit cela si vous ne savez pas? Je ne comprends pas bien. N'en ai aucune idée. Je ne savais pas qu'il avait été tué par les villageois parce que je me suis séparé de lui lorsque je me suis réfugié dans la forêt. Lors de ma détention, je l'ai connu. Quand à sa mort, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais dit cela à Ousmane. I never spoke about that. Non, je n'ai pas dit que vous aviez dit cela à Ousmane. Là, la partie que je vous ai citée, c'est ce qui a été noté de ce que vous avez dit aux enquêteurs des co-juges d'instruction. Donc là, c'est après votre entretien avec Issa Ousmane, c'est en 2008, le 8 juillet 2008, vous êtes entendu par des enquêteurs des couches d'instruction et je vous ai cité ce qu'ils ont noté comme étant ce que vous avez dit. Donc vous ne vous en souvenez pas, tout simplement? Ou vous n'avez jamais dit ça? Sais pas ce qui se passe. En fait, je n'ai jamais dit cela à des enquêteurs. Bien, dans votre entretien avec Issa Ousmane en 2000, est-ce que vous vous souvenez? Je vais commencer autrement. Après votre détention dans la maison de Trier, où vous êtes resté, si j'ai bien compris votre déposition, 9 jours après votre arrestation, vous avez, après cela, été affecté au marché de Krochmar, où vous avez dû trier et laver des vêtements. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Is that true? Did I understand your testimony correctly? Oui, yes, je reconnais cela. Ils m'ont désigné pour trier des vêtements de ceux qui avaient été emmenés. Ces vêtements étaient dans l'entrepôt du marché de Krochmar. Donc nous avons été affectés à ce travail.
pendant quelques jours. Clothes for a few days. Pendant le tri, and j'ai reconnu des vêtements de mes proches, mes oncles, mes tantes, mes relatives, ma mère, mais je n'ai pas vu de l'or ou de l'argent qui leur appartenait, parce qu'à l'époque, au moment de l'embarquement, ils ne pouvaient que partir sans rien. They had to leave with nothing on them. En fait, j'ai été affecté à ce travail avec un groupe. To do this job with a group. Quand vous dites des vêtements qui étaient à des personnes qui ont été emmenées, est-ce que nous sommes d'accord qu'il s'agit de vêtements noirs, les vêtements noirs que tout le monde portait à l'époque? The black clothes that everyone wore back then? Le président, veuillez attendre un instant. Oui, c'était des vêtements noirs, mais il y avait aussi des vêtements de l'ancien régime, des vieux vêtements. Ils étaient autorisés à partir sans rien. Ils pouvaient prendre que les vêtements qu'ils portaient. Ceux qui ont pris le bateau ne pouvaient rien prendre avec eux. Et quand vous dites « nous avons été affectés à ce travail de tri de vêtements », est-ce que vous parlez de ces jeunes femmes de votre village qui étaient avec vous dans la maison de tri, ou est-ce que vous parlez de quelqu'un d'autre ? C'était à Krochma et nous sommes partis tous ensemble pour trier ces vêtements, pour que le travail se termine le plus vite possible. Cela a pris quelques jours. A few days. Et est-ce que Hamak Sophias était avec vous? Was Hamak Sophias with you then? Oui. Yes. Elle faisait partie de mon groupe. Je me suis réfugié dans la forêt. I hid in the forest and I stayed at the district office. Précisément à propos de votre fuite dans la forêt, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez donné comme raison à Issa Osman sur la raison de votre fuite? To Issa Osman regarding your flight. Je ne me souviens pas des raisons que j'ai données à Ousmane. Explained to Issa Ousmane. Je ne m'en souviens plus. I don't remember anymore. Je vais vous lire un extrait de votre entretien avec lui. C'est le document E3/9307, ERN en français 01128404, ERN en khmer 00045910 et ERN en anglais 01132818. Voilà ce que vous dites après votre installation au marché de Krochma. Et vous dites, nous devions trier des vêtements, mettre de côté ceux qui étaient trop déchirés et les brûler, puis laver ceux qui étaient en bon état. Ils nous suivaient tellement à la trace que j'ai paniqué et que je me suis enfui dans la forêt. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez maintenant de la teneur de cet entretien? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, yes, c'était bien cela. That is indeed what happened. J'ai passé très peu de temps à ce bureau. Donc en fait, ce tri a pris 3 jours parce qu'on était
Because there were about 40 of us working. Là où on habitait, des garçons ont pris la fuite dans la forêt, in the forest where we were à living, savoir Vietnam. That is say Vietnam. Désolé, je vous interromps parce que je vais aller étape par étape. Donc vraiment, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous demande vraiment d'écouter mes questions. Donc vous vous souvenez de ce que vous avez dit à Isa Osman. Lorsque vous avez été interrogé, cette fois-ci, en 2008, par le coach d'instruction, vous avez eu cette... on vous a relu une déclaration qui est inspirée de votre entretien avec Monsieur Isa Osman, et dans cette déclaration de 2008, vous dites également que vous avez fui peu de temps après. Jamais vous n'avez évoqué que ce soit avec Isa Osman ou que ce soit avec les enquêteurs des coaches d'instruction. Vous n'avez jamais évoqué ce que vous avez évoqué par la suite dans votre déclaration de partie civile, dans votre formulaire pour être accepté comme partie civile devant, dans ce procès. Vous n'aviez jamais auparavant évoqué le fait que on vous aurait enjoint de creuser des trous et que des gens vous auraient dit que ces trous étaient destinés à servir de tombe. Vous l'avez dit la première fois que en décembre 2009, au moment où vous avez rempli votre déclaration de victime. Donc ma question est la suivante. Pourquoi avoir dit cela pour la première fois en 2009, alors qu'en 2000, vous avez été interrogé par M. Isa Osman, que vous n'avez pas donné cette version, que lorsque vous avez été interrogé par les enquêteurs des coachs d'instruction, vous n'avez pas non plus donné cette version, et que cette version n'est apparue pour la première fois qu'en 2009. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Je vous l'ai dit. As I said, parfois je me rappelle de ce que j'ai dit, parfois non. What I said, sometimes I don't. Donc je suis incapable de répondre à votre question. Je me rappelle seulement des bribes de ce que j'ai dit auparavant. Of what I said in the past. Le problème, Madame Nosatas, c'est que dans cette déclaration, vous rajoutez des choses qui sont a priori plus négatives pour vous. Vous ne le faites que en 2009, lorsque vous remplissez votre formulaire pour être partie civile devant cette chambre, alors que vous avez indiqué, et vous l'avez confirmé à mon confrère, vous l'aviez indiqué à monsieur le coprocureur international, vous aviez indiqué que lorsque vous avez dit avoir été témoin direct d'exécution, vous aviez menti parce que vous vouliez qu'on puisse vous rendre justice vis-à-vis de ces meurtriers. Donc ma question est de savoir comment se fait-il que lorsque vous êtes interrogé par Isa Osman, vous pouvez dire des choses que vous n'avez pas vues, alors que vous aviez l'occasion de dire des choses que vous avez vécues, puisque c'est votre position aujourd'hui de dire que c'est comme ça que les choses se sont passées. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit à Isa Osman en 2000 et pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit devant les enquêteurs des coachs d'instruction lorsque vous avez été entendu en 2008? Non, je ne raconte pas de mensonges. J'ai dit que je n'ai pas assisté à des exécutions. J'ai vu des cadavres dans le fleuve.
J'ai vu des cadavres en broche bodies, et on nous a interrogé si on était cham, on était emmené, si Khmer, on était gardé là, le président, madame la partie civile, veuillez vous concentrer sur la question, maître, veuillez reformuler votre question, il y a trop de confusion. Parce que votre situation est longue, donc veuillez découper votre question afin que la partie civile puisse comprendre votre objectif, étant donné que son niveau d'éducation n'est pas élevé. Veuillez faire un résumé des problèmes, des questions pertinentes, et de manière à ce qu'elle puisse répondre à votre question. Et si vous faites une citation trop longue, cela ne sert à rien, ça ne vous aide pas à trouver la vérité. Useless, it will be of no purpose in our endeavor Madame to ascertain Nosatas, the truth. Pour la première fois en décembre 2009, pendant quand vous avez rempli votre déclaration pour être participant dans ce procès, pour la première fois vous avez expliqué à quelqu'un que vous auriez fui Krochmar, le marché de Krochmar, parce que on vous aurait demandé de creuser ce qui allait servir de tombe. C'est la première fois que vous l'avez dit. Ma question est donc la suivante. Pourquoi, quand vous avez été interrogé par Issa Osman et ensuite par les enquêteurs des co-juges d'instruction, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit avant? Quand je suis retourné à Trier depuis Krochmar, j'ai été affecté à creuser la terre un demi-mètre de large et deux mètres de wide long. And 2 meters long. Je suis obligé de vous interrompre. C'était pas ça ma question. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ce fait-là avant, en 2000, à M. Issa Osman, et ensuite en 2008 aux enquêteurs des couches d'instruction. Pourquoi? On m'a interviewé plusieurs fois. Vous savez, je donne des éléments de réponse quand cela me venait à l'esprit. I can remember things. Voilà la raison. So that's why. Mais, et ce sera ma dernière question, je m'étonne que vous n'ayez pas eu ces éléments à l'esprit alors que vous avez eu à l'esprit de dire des choses que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas été témoin direct, à savoir les exécutions, puisque vous avez reconnu avoir menti sur ce point. Donc pourquoi avoir dit des choses que vous n'avez pas vues et ne pas avoir parlé de choses que vous dites maintenant avoir vues? Allez-y, please proceed, international co-prosecutor. Mr. President, I object to the form of the question. Counsel seems to be testifying as to her own impressions of when the civil party gave certain information. So if she has a question asked, she can simply ask the question, but providing her own impressions of what she is surprised as to is not a proper way to formulate the question. Vu que ça fait la troisième ou quatrième fois que je pose la question, je pense que la question était très claire. Pourquoi avoir dit des choses que vous n'avez pas vues à M. Issa Osman et ne pas avoir parlé de choses que vous dites maintenant avoir vues? Mais
le président. President, est-ce que la question a été abordée auparavant dans des documents, dans ses déclarations précédentes? Est-ce que ce creusement de trous existait, mentionné dans un des documents? Parce que dans les documents, la question de creusement de trous n'a jamais été mentionnée. Donc ce fait n'existe pas. Il me semble que vous êtes en train de créer un nouveau fait. Inventing a fact or creating a fact. Vous venez de dire à la partie civile de répondre exactement à vos questions, mais d'après avoir examiné le document, je n'ai pas vu ce fait de creusement de terre. Digging of pits being mentioned. Votre question est répétitive, soyez précise et tenez également compte de du niveau d'éducation de la partie civile. Est-ce que les enquêteurs ont posé cette question à la partie civile concernant la fosse destinée à enterrer des cadavres? La question a été posée. Elle est tenue de répondre à la question, mais elle a également le droit de parler de son expérience durant ces 3 ans et 8 mois. During the entire Khmer Rouge regime. Donc votre dernière question, donné 15 minutes et là, les 15 minutes and now, se sont écoulées. Well, the 15 minutes are up. Pour les besoins du procès-verbal, je citais la déclaration de témoin, de déclaration de partie civile, pardon, de Madame Nosatas, document E3-4705, ERN en français, 00417851, ERN en Khmer, 52, pardon, ERN en Khmer, 00369026, ERN en français, pardon, 00932676, et le RN que je vais citer en premier, à savoir 00417852, et le RN en anglais. Donc, dans ce document, pour la première fois, Madame Nosatas a indiqué que la raison pour laquelle elle aurait fui, c'est qu'on lui aurait dit qu'elle creusait des trous. On lui avait ordonné de creuser des trous pour sa propre tombe. C'est la première fois qu'elle donnait cette information en décembre 2009, alors que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en citant son entretien avec M. Issa Osman, comme explication de sa fuite dans la forêt, elle avait donné une autre explication, à savoir qu'on la surveillait trop et que ça l'avait fait paniquer. Donc je l'interrogeais sur la différence entre les deux versions. Je pense que je n'aurais pas plus de réponses, mais je tenais à donner ces informations pour les besoins du procès-verbal. Rien n'a été inventé, je me fonde sur des déclarations de Mme Nosatas. Et j'en aurais terminé, Monsieur le Président. Madame Nosatas, you may make an impact statement. En votre partie civile, vous avez le droit de faire une déclaration concerning the crimes which are alleged against sur l'incidence que les crimes allégués Nunchi and Kyesum Pong et reprochés aux deux accusés and harm suffered by you during the Cambodia-Cambodia
resulting in your civil party application to claim collective and moral la période du repos démocratique et qui vous ont poussé à vous constituer physical, partie civile afin de demander des réparations morales et collectives suite aux souffrances physiques, matérielles et mentales endurées en conséquence directe de ces crimes. That is, if you wish to do so, you may si vous proceed. Vous avez la parole. Civil party. La partie civile. I'd like to make a request to you, Mr. President. I suffered greatly while I worked at Bang Cham over a dark canal. And I became so seriously sick, je suis tombé but si I had to force to carry the dirt, forcé à transporter de la and terre. I became unconscious around 2 o'clock in the afternoon that day, and I was carried to the hospital. On m'a transporté jusqu'à l'hôpital. I didn't have any strength left J'étais exténué. And I could only rest at the hospital for 10 days. Je n'ai pu me reposer à l'hôpital que pendant 10 jours. I returned to work puis, so that I travailler. Could not consider to make any mistake against Car je ne voulais pas que l'on pense and que that je my life would be spared. Et ainsi, j'ai pu sauver ma vie. During the second year, that is after I finished leaking a canal in Krochek, I was sent to work at on third village. Creusé le canal à Krochek, on m'a envoyé dans un and village. I had to walk for 3 days in order to reach that location. Me rendre à cet endroit. We didn't have any proper place to stay. Whenever the night fall came, we had to stop and la nuit tombée, sleep there. Nous avons dû dormir là. And sometimes we had to sleep on the graves. Il nous est arrivé d'avoir à dormir sur des tombes. And only in the morning we realized that it was a graveyard. Que nous nous sommes rendus compte que nous dormions dans un cimetière. Next morning, we were asked to cut the branches of a tree to make a makeshift shelter in the middle of nowhere. Y construire un abri au milieu de nulle part. So we had to cut those small trees to make a roof, and we had to sleep on nous a mat on the floor, that is on the ground. Couper des arbres pour faire when the rain toit, came, nous avons dû dormir à même le sol. We went to the villager's house. And to ask them for permission to stay, but they didn't dare to let us stay. Nous avons demandé aux villageois de pouvoir so we had to sleep dans leur maison, mais ils n'ont pas osé nous permettre de rester avec eux. Nous avons dû donc dormir dans la boue, dans l'eau. Nous ne pouvions pas dormir. And in the morning we had to go to the field to work. Et le lendemain, on nous a envoyés dans les champs pour travailler. And when there was so much rain, il y avait tellement de pluie. Were allowed to return to the village since we could not on work any more there. Village, car nous ne pouvions plus and I stayed at Xaprachele for only 3 days. Then I was sent to Chinik again puis on m'a renvoyé à to dig the earth. Pour aller creuser. And I did not know the purpose for us digging je ne savais pas pourquoi on nous envoyait the earth there. Creuser là-bas. And a fortnight after, we heard the exchange of gunfire. Plus tard, nous avons entendu des échanges de tirs. We heard it continuously from early morning until noontime. Then we couldn't stand du there anymore. Then nous we ran away nous sommes donc enfuis. From that work site to our village. Nous sommes we partis left du behind travail. Our belongings, that is our few clothes. Le peu d'effets personnels et quelques vêtements que nous avions. So when we arrived home, we did not have any clothes, lorsque nous any spare clothes chez nous, to wear. Nous I had to ask for my mother's clothes so ma that I could prendre ses vêtements. Change the clothes that I wore. As for the food, we were only given a little gruel.
quant à la nourriture. In exchange of the 3 cubic meters of earth that we had to die, there was no delicious food on une louche de given to en us, échange des 3 mètres cubes que nous transportions, on ne nous a pas donné de nourriture nourrissante ou délicieuse, ça n'avait aucun goût, et nous avons dû manger de la bouillie avec du sel. To us was so muddy. It was a mixture of nous a donné était boueuse. Banana stem and some tree leaves, and without any meat or fish in there. And they called it a special soup for us. La nourriture, la soupe spéciale pour nous. During the 2 months that I worked there, we never had any tasteful soup at all. If we couldn't complete the 3 cubic meters of digging the earth during the work hours, we had to work during the night in order to complete the work quota. Sometimes I waited, and sometimes I had to crawl back to my sleeping quarters because I was so exhausted. And I was thinking of my siblings. I missed them so much, but I was not allowed to visit them. Later on, I was sent to dig. Plus tard, on to build a dam at Chini. Construire un barrage à Chini. And as I said later on, when there was an exchange of gunfight, when the Southwest group arrived, we returned to the village. Nous sommes donc retournés and about a fortnight later, we were rounded up to be sent to be killed. Et pour nous envoyer à être exécutés. And my father and some of my relatives had already been running up and taken away and killed. And later on, it was our turn. Et plus tard, c'était notre tour. They used a pretext that we were to be relocated. Ils ont utilisé un prétexte. Ils ont dit qu'il fallait when nous we were transférer. Sent away. Mais en fait, the men were sent to Stung Trong. Les hommes ont été envoyés à Stung Trong. A day after the men were sent, the wives and the families, les the children les were enfants, sent subsequently. Ont été envoyés par la suite. And I was assigned to work in a mobile unit that is to go and work in Trier village. Dans le village de Trier. I cannot forget the experience that I went through during the Pol Pot regime. Jamais je ne pourrai oublier l'expérience. There are countless of events that I cannot recall. Il y a tellement d'incidents et événements dont je ne peux me souvenir. Tell si you everything. Je pouvais m'en souvenir, je vous tell le dirais. About the difficult time and the hardship that I went through. Préjudice. Sometimes que there j'ai was subi. No nothing to eat. We had to grab some. Parfois il n'y avait rien à manger. Grains from the rice stalk in the field. Ramassé, we ground them secretly rizières, in order to eat it. Et on nous les écrasions en secret sometimes pour soldiers came il arrivait aussi que des to hurt some people away. Faire mal, they plutôt burned pour emmener our belongings. They burned des soldats blanket. Pour emporter des gens and ailleurs. They destroyed rice et and salt. Ils ont aussi brûlé des vivres, ils ont détruit du riz et du sel. They actually ruined the place, the village, before they left at around 6 or 7 o'clock. Et le village, ils ont causé des dommages irréparables. I almost died during the regime, but I made my determination to live on. Mais j'étais déterminé. If I were to die, naturally, then that would be the happy ending for me. Et I didn't si want to be tied away and taken mort and killed. De façon naturelle, ça aurait été une fin heureuse pour moi. Mais je ne voulais pas que l'on m'attache to flee m'exécuter. And sought that si je m'étais enfui et it. Qu'on m'aurait tiré dessus, eh bien tant pis. They fired upon us. Ils nous ont tiré dessus d'ailleurs. And in late 1978, when I returned to the village, because I heard that some people returned to the village, and I hoped that my parents returned. Y retrouver mes parents. J'espérais qu'ils y soient retournés aussi.
And I was actually sent to live in Soong. On m'a envoyé vivre when the Liberation Front liberated that area. A libéré la zone. We were told by messengers that Phnom Penh was captured and the Pol Pot clique actually fled. Que la clique de Pol Pot s'était enfuie. So we walked one full day to return. Une journée complète pour retourner. And we had to carry some wounded people or wounded soldiers who were soldiers of the Khmer Sol or White Khmer. And one of them had their bowel l'un d'entre eux avait même slashed. Eu ses entrailles. And we had to carry him to the tranché. Area of Soong. Et nous sommes allés à Soong. So we walked from Samboksak Forest. Nous avons traversé la forêt de Samboksak. And we arrived at Trapeang Kla. Et quand nous sommes arrivés à Trapeang Kla, by about 5 o'clock in the afternoon. Vers 17h. That is almost a whole day because we started leaving the forest at around 6 in the morning. Et c'était presque une sometimes journée, la fin de la journée, car nous avions quitté la forêt vers 6 the water, du matin. Il nous arrivait d'avoir à marcher chest, dans l'eau. Qui nous arrivait des fois neck, jusqu'à la poitrine et même jusqu'au water, cou. We had to keep changing, carrying the wounded il soldiers. Fallait transporter les soldats blessés. So we finally arrived in Soong. Finalement, nous sommes arrivés à Soong. And we were expecting, I was expecting to see the return of my relatives or my parents. Le retour de ma famille, de retrouver mes parents. Then there was no news, so I had to walk to Swaiklang. And it took me 3 days. Ça m'a pris 3 jours. To walk on foot à pied. To my village. There was jusqu'à no other means of aucun autre moyen traveling. De transport. When the night fell, as I said, we had to sleep et comme je vous there. Dit, and I walked with a few tombée, of my marché, friends. Dormi là, j'ai marché avec quelques-uns and de when mes amis. We arrived in the village, I asked those who had arrived about my relatives, and they said no, they didn't see any, including my grandmother and my parents. Ni mes parents. And they disappeared since. Je ne les ai jamais revus. So I became a lone survivor of my family. By that time, I was not yet married. Et je n'étais pas marié à l'époque. I actually pitied and I regretted what happened so much. I rather died than losing my family members. J'aurais préféré mourir que perdre ma famille. Because by that time I did not marry my husband yet, and if I were to marry a husband and had children, I would not allow my husband and children to live in such a miserable life. Je n'aurais jamais permis que mon mari ou mes enfants vivent une vie tellement misérable. When I looked at other families who had their relatives survive, quand j'ai vu que d'autres familles, I felt so pity of myself. Sometimes I had to sit down quietly and wait. J'ai eu pitié de moi-même. I looked like a crazy person. J'avais l'air d'une folle. At that time. Les gens pensaient que j'avais perdu la raison. I pitied my younger siblings. J'avais tellement de peine really pour ma fratrie cadette. Vraiment. I recalled when they did not have any food to eat, they lay down on the ground. Où ils n'avaient rien à manger. And they were so weak. I had to go out and search for même le sol et qu'ils étaient si food faibles, moi for vegetables or leaves for them to eat. Des légumes ou même des feuilles. They were so skinny. Ils étaient tout maigre. Sometimes I wanted to kill myself. I did not want to witness such a misery experienced by my siblings. De voir la misère de ma famille. Every time I recall what happened in the past, it seems that my mind is not in my body anymore. J'ai l'impression que mon esprit n'est plus dans mon corps. And it's up to my children, thanks to them, sometimes
They try to comfort me. Et c'est grâce à mes enfants, il leur arrive d'essayer de me réconforter. But to me, the memory is still vivid in my mind. Mais ces souvenirs sont. I would exchange my life for food for my siblings. And I keep asking the question to myself, why my siblings, including my mother, ma vie contre celle de mes enfants, were taken away and never returned. And I'd like to put this question to any person in this court who is responsible and can give me the answer. What was the purpose of making the revolution? Pourquoi avoir une révolution? President, Madame Assatas, you have the right to put questions to the accused through us, the President of the Chamber. And it is not proper, according to the law, accusés, to put questions to anyone or to any parties la chambre, in this le proceeding. Droit ne permet pas que vous posiez des you can, as I said, put questions to the two accused through audience. The Chamber. Vous pouvez poser des questions aux accusés par la Chambre. Si vous partez, I don't have any question anymore. If there is the case, because I don't recall the question that I wanted to ask earlier. Je ne me souviens pas de la question que je voulais poser plus tôt. I stop speaking now. Je vais arrêter de parler. Bana. President, if there is a case, then please stop. Le président. And little co-lawyer, you have the floor. Question, vous pouvez arrêter de parler. Mr. President, Piquant, it seems Monsieur that le président. The civil party is overwhelmed. For that reason, la partie civile soit très bouleversée. Forgets the questions et and please la, allow la her lawyer l'agenté to put questions on her behalf. De poser la question en son nom. President, le président. No. Non. The chamber does not allow that. La chambre ne le permettra pas. And Madame Nosatas, the chamber Madame is Nosatas. Grateful of your time and testimony and your statement of harm and suffering that you claim you suffered under the Democratic Campuchia regime. Enfin, plutôt, and your conclusion, your testimony is now concluded. Sous le your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case, and you are no longer required to be present in the courtroom. For that reason, you may return to your residence or wherever you wish to go to, and the chamber wishes you all the very best. Court officer, please assist the civil party, Madame Nosatas, to return to her residence or wherever she wishes to go to. Votre soutien est assurer que la partie civile puisse rentrer and, chez elle. Invite the et veuillez faire entrer witness, that is 2TCW845 into the courtroom. 845 dans le prétoire.
President, good afternoon, Mr. Witness. What is your name? Le témoin. Comment vous appelez-vous? Witness. My name is SOT Sophal. Je m'appelle SOT Sophal. President, thank you, Mr. SOT Sophal. And when were you born? Quand êtes-vous né? Answer. Réponse. I only recall the year and not je the day or the month. De l'année. Je ne me souviens pas du mois ou du jour. I was born in 1964. Je suis né en 1964. Question. And where were you born? Et où êtes-vous né? Answer. I was born. Réponse. In Tropcha village, Chukwari commune, Prenitpre, district, Battambang province. Questioned. Question. And where is your current address? Quelle est votre adresse actuelle? Answer. Currently, I am at Trapeng Tao village, Trapeng Tao commune, on Longwen district. Dans le question. Village de Trapeng Tao, Tmei, what is your current occupation? Dans Longwen, province d'Odamunche. Question. Quelle est votre profession? Answer. Réponse. I am a rice farmer. Je suis riziculteur. Question. What are the names question. Of your father and mother? Comment s'appellent votre père et votre mère? Answer. Réponse. My father is Faisun and my mother is Otto. Ma mère s'appelle Otoy. Question. What is your wife's name question. And how many children comment do you have? Comment s'appelle votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Answer. My wife is Hamtun. Mon épouse s'appelle Hamtun. And we have four children. Nous avons quatre enfants. President, thank you, Mr. SOT Sophal. Le président, merci, Monsieur SOT Sophal. The Graffi made an oral report this morning that, to your best knowledge, you are not related to the two accused, that is Nguyen Chi and Kyo Sung-Pon, or to any of the civil parties admitted in this case. Is that correct? Est-ce bien le cas? Answer. Réponse. Yes, Mr. President, I am not related to them. Effectivement, Monsieur le Président, question. Aucun lien. When I refer to related, are you related to question. Quand je dis the lien. Accused by blood or by law to any of them or to any of the civil parties? Les accusés ou les parties civiles? And when I refer to by law, it means whether you are related to them as in-law, that is, they are the relatives of your wife. Des parents de votre épouse. So, to your knowledge, are you related to any of them? Avez-vous un lien avec eux? Answer, no, I am not, réponse, Mr. President. Non, Monsieur le Président. Question. Question. Did you take an oath before the Iron Club avez-vous statue? Prêté serment devant la before statue your du génie appearance la barre de fer avant d'entrer this dans le chamber? Answer, yes, oui. I already threw an oath. Oui, j'ai prêté serment. President, the chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. Vous informer de vos droits et and vos obligations en tant que témoin. SOT Sophal, as a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question, not to any comment, which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. Lorsque cela pourrait vous exposer. As for your obligations, as a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you. And as a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or the party posed to you.
And Mr. SOT Sophal, have you been Monsieur interviewed Sophal, by avez-vous déjà investigators of the Office of the Co-Investigating Judges? If so, how et many si oui, times, combien de fois, when and where? Et où? Answer. Réponse. Mr. President, Monsieur le Président, I was interviewed. And please repeat your question. Pouvez-vous répéter la question? Question. Have you been interviewed by investigators of the OCIJ? Avez-vous été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Answer. Réponse. Yes, I was. Oui. Question. Question. How many times? Combien de fois? Answer. Réponse. It was for one time. Une fois. Question. Question. When did it take place and where? Quelle était la date et le lieu de cette audition? Answer. Réponse. It was quite a long time ago. C'était il y a longtemps. I cannot recall when, and je it took place at the Trapenta village, Trapenta commune, and Longbeng district. Trapenta, and I believe it about Longbeng. 6 or 7 years ago. Je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans. President, that is all right. And before your appearance, avant, have you reviewed or read the written record of your statement? Le procès-verbal de cette audition? And, réponse. I cannot read, Mr. President, je ne sais pas lire, but Monsieur I had my elder siblings mon... read it to me. Question. And to your best knowledge, mon aîné, ma, mon does frère, ma the written aîné, record of your statement, which was read to you, consistent with the statement that you provided to the OCIJ investigator, and as you said that it happened in your village? Vous dites que cela, c'est audition, vous dites que l'audition a eu lieu dans votre village. And réponse. I recall some, but not everything, because it happened a long time ago. Réponse, mais pas de tout, car c'était il y a longtemps. President, that is all right. Président, ce n'est pas grave. Pursuant to Rule 91 base of the ECCC internal rules, the chamber gives the floor first to the co-prosecutors, and the combined time for the co-prosecutors and the co-lawyers is 2 sessions, and you may proceed. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honors, Counsel. And good afternoon to you as well, Mr. SOT Sophal. My name is Travis Farr. I'm a lawyer for the prosecution, and I'm going to be asking you questions this afternoon, primarily about your experience at the Trapienta dam work site. But before I get to that, I want to just briefly ask you about some of the things that happened before you arrived at that work site. Sur les événements qui ont and in your OCIJ statement, you mentioned that at one point you were sent to work at a kapok plantation. Can you tell us approximately how old you were when that happened? Pouvez-vous nous dire quel âge vous aviez quand vous travailliez sur cette plantation? J'avais entre 15 et 16 ans, j'ai été affecté à couper des abattoirs pour en faire des engrais. Parfois j'ai été affecté à transporter de la terre en des termitières. Je ne peux pas me souvenir de tout, Monsieur le Président. Dirt, but I don't remember everything. And can you tell us how many other children you were working with at that time? Combien d'autres enfants vous travailliez à l'époque? On était nombreux. There were many of us. On était entre 2000 et 3000 enfants. Between 2 to 3000 children, yes.
And at that time, were you living with your parents, or had you been separated from your parents? Vous habitiez avec vos parents à cette époque-là, ou aviez-vous déjà été séparés? On a été séparés de nos parents. We were separated from my parents. And can you tell us a little bit about how it was that you made the fertilizer at this kapok plantation? What were the ingredients? What was the process? Quels étaient les ingrédients? Quel était le processus? D'abord, on doit couper les abattoirs et les hacher. Snake root, and we had to grind it. Et d'autres personnes devaient creuser de la terre de termitière. To dig up a termite mound, et nous devions pisser dans des bouteilles et après verser l'urine sur la terre de termitière et des abattoirs hachés pour les mélanger. Chopped up a snake root so we could mix it together. And just going back to your age quickly, you mentioned that you think you were 15 or 16 at the time. Now, based on my calculation, if you were born in 1964, you would have been at most 15 at the end of the DK period. Is that something you're able to help with, or is that something you're not quite sure about? Est-ce quelque chose dont vous êtes certain ou dont vous n'êtes pas certain? Mes parents m'ont dit que j'avais tel âge. That I was such and such an age. Comme je suis illettré, donc je ne pouvais pas savoir quel âge j'avais exactement. I could not know exactly how old I was. Okay, thank you. I'll move on. And I'd like to turn now to the Trapeang Tma Dam work site. Now, this was a large site. Are you able to tell us in what part of the site you worked on? Were you close to a particular bridge? Were you in a particular commune? Are you able to identify the location with any specificity? Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner des précisions sur l'endroit exact où vous travaillez? J'étais du côté est, un angle est vers l'ouest. Then facing west. Mr. President, with the chamber's leave, I'd like to show the witness the map of the Trapeang Tma Dam worksite from the OCIJ site identification report. I don't know whether he'll be able to work with it or not, but I'd like to ask him if he can give us an idea of where he was. Vous y êtes autorisé. And for the record, this is page 3 of E3/8050 in all three languages. Now, Mr. Witness, I know this is not a very clear picture, and I know that maps are not always easy to work with, but looking at that, are you able to indicate to us with any more precision where you were located on the dam site? Je ne sais pas lire la carte. Vous voyez, il y a beaucoup de traces partout et je ne comprends pas la carte. There's all kinds of drawing here, but I don't understand this map. Okay, thank you, Mr. Witness. I'll move on. Now, in your OCIJ statement, you describe being part of a battalion
of 300 child workers, que vous faisiez partie and you used the term special children's unit. Vous avez parlé de l'unité Could you explain to us what special children's units were? Dire ce que c'était qu'une unité spéciale d'enfants. Une unité d'enfants spéciale fait référence à une unité d'enfants entre adolescents et garçons d'âge de travailler. Almost teenagers who were able to work. And can you describe for us what your work was and how you went about doing it each day? Nous devions creuser de la terre. J'étais le creuser et il y avait deux autres porteurs. I was the digger and there were two carriers. De nuit, parfois je dormais night, sur le manche de ma pioche parce que j'étais fatigué, donc les porteurs venaient me réveiller so à chaque fois et vice time, and vice versa, I would wake them up too. And you mentioned a digger and carriers. Can you tell us what tools were used to dig and what tools were used to carry? Est-ce que vous pourriez nous dire quels étaient les outils qui étaient utilisés pour creuser et pour transporter? Je creusais de la terre avec une pioche et les porteurs utilisaient des paniers pressés avec des palanches. And they were carrying shoulder poles. And where would they carry the earth that you dug up? Et vers où transportait-il la terre que vous creusiez? On transportait de la terre pour ériger la digue. To build the dike. How far would you say each load had to be carried? Can you give us an estimate of the distance? Sur quelle distance la terre devait-elle être transportée? Pourriez-vous nous donner une estimation de cette distance? Environ 20 mètres. About 20 meters. Entre 20 et 30 between mètres. 20 to 30 meters. Depuis la base de la digue. From the base of the embankment. La digue avait environ 10 mètres de hauteur. And the embankment was about 10 meters high. And would the earth have to be carried to the top of that 10 meter embankment? Et la terre devait-elle être transportée jusqu'au sommet de cette berge de 10 mètres? On devait transporter de la terre depuis le canal pour construire la digue. Onwards in order to build the embankment. When the carriers were carrying the earth, would they walk or would they run? Les personnes chargées de transporter la terre couraient-ils ou marchaient-ils? Ils marchaient d'une vitesse ordinaire. At normal speed. Are you able to estimate how much each load weighed that they would carry? Pouvez-vous donner une estimation du poids de la terre que ces gens transportaient? Chaque panier contenait environ 15 kilogrammes. En fait, les deux paniers pesaient environ 20 kilogrammes. Both baskets, the total weight was about 20 kilos. Were the two boys who
were carrying Earth in your small group? Were they about the same age as you? But are you? Oui, yes, on avait à peu près le même âge. We were all about the same age. I don't know whether you even knew this at the time or whether you can remember, but do you know how much you weighed at that time, what your weight was? Je ne me souviens pas de mon poids de l'époque. How much I weighed back then. Comme j'étais tellement maigre, since I was so skinny, je ne pouvais pas estimer mon poids. I could not know how much I weighed. When you were doing your work, were there ever any tractors or trucks or other mechanized equipment to help you? Tracteurs ou des camions ou autre type d'équipement mécanisé pour vous aider? Non. No. Du temps où j'étais là, il n'y avait pas de machinerie. Il n'y avait que des forces humaines. Only human labor. Le président, merci, President, monsieur le procureur. Adjoint. Deputy international co-prosecutor. Nous reprenons à 3 heures. Huissier d'audience, veuillez. Break and resume at 3 o'clock. Vous occupez du témoin pendant la pause et watch over the witness during the break dans le prétoire lead him back to the courtroom at 3 o'clock sharp. Thank you. Levez-vous.